Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine! Cette fois-ci, là, la vaisselle est en place. On est actuellement, je sais pas, genre 3-4 jours après, là. Check ça, B. Là, aujourd'hui, c'est bien simple. Dans la vidéo, on va cuisiner. Bon, premièrement, première chose qu'on va cuisiner, c'est des cupcakes à citrouille, je sais pas si tu vas bien, là. Bon, je regardais sur Ricardo, ça prend de la purée de citrouille. Je sais pas si c'est assez gros, ça, fait qu'on va prendre ça. Bon, lui, Ricardo, il a pas les petits bouts, là, par-dessus, fait qu'on va couper ça. Ça, regarde, pas! Un coup! Un coup, ça c'est vrai! C'est une étromie! Attends. Wow, wow, wow! Pas une étromie! Bon, ben ça te dit de cuire ça pendant une heure! Fait que là, on va attendre que ça arrive à 350, puis on va commencer à préparer les autres affaires. Fait que là, on va tasser ça, là. Hey, j'ai même pas mis mon. Wow, wow, wow! C'est moi, le chef! Ok, fait qu'on va faire une tarte à citrouille aussi, bon, cette affaire-là, là. Oh, c'est prêt! Une heure, ça part! Oh, attends, vite, vite, vite! Vite, la musique! Oh! Oh, merde! Ah! C'est quoi ça? Un livre de pulpe d'astrouille? C'est pas les graines, je les ai jetés. Bon, fait que les ingrédients pour toute cette affaire-là, du gingembre, des œufs, du beurre, de l'huile d'olive, la farine, du lait, du sel, de gros nature, 2%. Oh, c'est ça! Maman, si maman, ouais. Bon, après vraiment beaucoup de temps, ma tisseur adore, donc on va essayer de baisser le son. Ça va être difficile un peu parce que tu sais, il faut qu'on fasse du bon contenu pour vous autres. On a besoin d'une boîte de 300 ml de lait condensé sucré, puis de la crème 35%. On va texter à maman. Bon, fait enfin, après plus d'une heure de patentage, on va commencer à cuisiner les petits muffins. Les bons muffins au citrouille. Ça m'a l'air appétissant. Wow, 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 ça va trop vite. Wow, 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 ça va trop vite. Bon, j'avais plus de batterie. J'ai oublié de recommencer la vidéo. Mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'on est rendu, qu'on a mis la farine. Puis le flocon d'avoine. Au pire des pires, là, je ferai pas d'intoxication alimentaire. Quelqu'un dit positif là-dedans. Wow, perfect. Après, ça dit encore de casse de ma. De muscade moulue. Il y a le chauvette en arrière qui rit, mais il n'y a pas le droit de rire. Oh, ça sent bon ça? Oh! Ça sent pas tant bon que ça. Ensuite, ben, va falloir qu'on attende pour la purée de citrouille qui sera prête dans. Merde alors. 12 minutes. Le mélange pour les muffins n'est pas complété. On peut le mettre de côté. Ensuite, on va commencer la tarte de citrouille. On va commencer la vidéo, là, ça prend ça, là. Robot culinaire. On a-tu ça, nous autres, un robot culinaire? Ouais, mais ça dit, mais c'est pas genre l'affaire bzzz, bzzz, bzzz avec les deux trucs, là. Ça, c'est une recette à la grand-mère, cette affaire-là. Ouais, un peu de ci, un peu de ça, pas mal de ça. Bon, cette affaire-là, ça prend le mixeur là, pour cette affaire-là. Mais là, je le trouve pas. Fait qu'on va le faire de même. Hey, ça ressemble quasiment pas à Don Ricardo. Allô, mixette! Après ça, il est temps de faire une pâte avec ça. Là, ça dit faire un gros bout, là. Un gros bout. Un bloc. C'est ça, là. Une grosse boule. Une grosse boule. Et ça peut que ça ne soit pas délicieux. Pour deux raisons. Parce qu'on n'a jamais mangé ça. Puis de deux, parce que je suis peut-être pas le meilleur cuisinier de la terre. Là, on met au frigidaire pour 30 minutes. Bon, maintenant que nos citrouilles sont assez, disons, tièdes, on va pouvoir commencer à faire la truc qu'on doit faire. C'est chaud en tabarouette, cette affaire-là. Bon. Là, mon couteau est plein de farine. Nettoyons-le. Ah, j'ai l'air d'un moté avec mon chapeau, là. Les gens ont noté mon flow sur 10. Bon. 9 sur 10. Là, ça disait de couper. Comme ça. Mais là, faut-tu couper tout, là? Attends un peu, on va regarder Ricardo en même temps. Ok, va voir. Coupe en deux, là. Ouh, shit! Big, ça a l'air quasiment bon. Quasiment. Lui, il y a
Ouais, lui, il y a rien dans sa citrouille big. Ça, c'est-tu normal? C'est quoi la joke, là? Mmh. Moi, je fais pousser mes citrouilles dans un meilleur champ que lui. Ouais, d'ailleurs, allez voir la vidéo, là. Champ de citrouille, là. C'est une fucking bonne vidéo. Tu savais-tu, toi, que les pâtes d'ours, ils étaient faites avec ça? Les pâtes d'ours à mélasse, hein? Les pâtes d'ours orange, là. Le jaune d'œuf, il passe à travers... Ah, oh, là, il a cassé. Bon, on brasse et on brasse. Checkez ça, je vais vous montrer la texture, là, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Pendant que je brasse, je profite de ce moment pour vous dire que dans la description, il y a les deux recettes, les deux liens pour les recettes que j'ai faites, ainsi que la purée parce que j'avais besoin de la purée. Puisque je suis débile, s'il fallait du beurre mou fondu. Ceci est du beurre dur sorti du frigidaire. Après plusieurs minutes d'essayer de faire fondre le beurre, j'ai réussi. Avec l'aide de plusieurs personnes. Okay. Penses-tu que ça va être bon? La cuisinière dit que c'est parfait. Parfait! C'est deux micro-gradiers. Puisque je suis moté, on n'a pas de papier. Ma mère utilise toujours du papier, donc on va être obligé de mettre du pain dedans. Donc on va faire ça. Là. On met au four pour 30 minutes. Et c'est parti. Il est actuellement 9h13, ça fait, je crois, 2h que je fais ça. Donc, on aura besoin de légèrement fariner. What's up? Bon là, regarde comment que j'ai de la misère depuis le début. J'ai de la misère depuis le début de la vidéo. Hey, je te dis, ça faisait dur mon affaire. Mais bon, là, ma mère est venue m'aider, puis on a fait ça, là, ça a plus mieux marché, mais... Ouh! Checkez-moi ça, ce délice-là. Une demi-cuillère à thé de cannelle. Bon! Là, j'ai cuisiné avec ma maman à la fin parce que là, c'était vraiment long, là. Fait que là, elle m'a aidé beaucoup. Là, elle m'expliquait comment faire ça parce que je suis pas cuisinier. J'arrêtais pas de rire parce que j'étais mauvais. Puis, c'est ça. Bref, je me suis couché vraiment tard. Est-ce que c'est correct, non? Comment j'ai brossé? T'es un peu mieux, t'es pas parfait. Donc, comme tu peux voir, dans le coin haut gauche, c'est à quoi la tarte ressemblait à la fin, parce que je n'ai pas fait de fin. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que t'as aimé. C'est vraiment le fun de cuisiner. Ça se peut que j'en fasse une autre pour le fun, ou pour Noël, peut-être pour Pâques, on verra. J'ai vraiment aimé ça. J'espère que t'as aimé ça. Si t'as aimé ça, dis-moi là dans les commentaires. N'hésite pas à liker et à t'abonner. On lâche pas. On vise le 350 abonnés avant l'année 2022. Let's go, on est capable. À 200 likes, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel!